Esteban Ocon est certain que Mick Schumacher reviendra en Formule 1. Il soutient son ami sans volant pour 2023. Ouais, alors il va revenir, d'accord, mais bon, c'est pas gagné quand même. Nous savons tous que c'est qu'une question de temps, tu reviendras. Il reviendra, je le crois, il va évidemment travailler dur avec son équipe pour revenir. J'ai été en dehors du sport et je sais ce qu'on ressent après 2 ans d'arrêt. Mais vous savez, le travail, le dévouement et le fait d'être ici à chaque fois qu'il y avait une sorte d'opportunité, c'est ce qui m'a amené ici. Et je suis sûr qu'il aura une chance à nouveau. Ouais, c'est vrai qu'Ocon, il a vécu ça aussi. Bon, après, il était soutenu par Mercedes, Ocon. Ce qui n'est pas le cas de Schumacher, jusqu'à preuve du contraire. Ocon avait soutenu le recrutement de Schumacher par Alpine cet été. Mais l'Allemand a finalement été devancé par Pierre Gasly. Ocon aurait aimé voir son équipe, son ami dans l'équipe et se demande si Alpine pourrait l'aider. Oui, les gens savaient que mon premier choix, si j'avais quelque chose à dire, serait Mick, s'il n'avait rien de prévu l'année prochaine. Peut-être qu'il peut s'arranger avec nous ou une autre équipe pour rester dans le paddock. De toute façon, le choix est simple. Pour Mick Schumacher, ça sera soit Alpine en pilote de réserve, soit Mercedes en pilote de réserve. Donc, bon, est-ce qu'il vaut mieux qu'il aille chez Mercedes ou Alpine, selon vous? Allez, ciao.